Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Steam Deck. Et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour jouer à un jeu sur le Steam OS qui est uniquement compatible, si je prends le cas de The Switcher 1, qui est uniquement compatible avec un clavier souris, comment faire pour rendre ce jeu compatible avec les contrôleurs du Steam Deck. Donc le but de cette vidéo, ça va vous permettre tout simplement de jouer avec la plupart des jeux sur le Steam OS, sur votre Steam Deck, qui sont normalement uniquement compatibles avec clavier souris, les rendre compatibles avec le contrôleur du Steam Deck. Donc on va voir ça, et c'est très simple. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification, bien sûr, parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc là, vous allez retrouver les différentes configurations qui ont été créées par Valve. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe d'autres configurations, et c'est cette configuration et c'est ces modèles-là qu'on va utiliser, qui ont été créés cette fois-ci pas par Valve, mais par la communauté. Si on appuie là, vous pouvez voir qu'on retrouve plein d'autres modèles qui sont compatibles avec la manette, etc. Et ça, c'est vraiment un avantage. Donc pour prendre le modèle, on va dire, le plus compatible et qui va le mieux fonctionner, il faut prendre le modèle avec le plus de gemmes. Donc le modèle avec plus de gemmes, c'est celui-là. Donc vous cliquez sur celui-là, ce sera peut-être un autre modèle pour vous, ce sera pas forcément celui-là qui a plus de gemmes. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur A pour valider et vous vérifiez que le modèle a bien sélectionné. Ensuite, vous n'avez plus qu'à lancer le jeu The Switcher 1. Là, je le lance. Et vous allez voir qu'il va se lancer avec la configuration de la communauté. Et ensuite, vous pourrez jouer à un jeu qui est normalement uniquement fonctionnel avec clavier souris sur le SteamOS, avec les contrôleurs du Steam Deck. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo astuce sur votre Steam Deck. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'éperdu numérique. Après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist. Et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuce Steam Deck. Donc pour l'instant on retrouve que 6 vidéos astuces. Mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. A plus la team.